Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode sur le DLC Mass Transit pour Cities Skylines. Donc aujourd'hui, eh ben, on va déjà régler ce petit problème. Ici, on a de nouveau ce bordel pas possible. Alors, je vais peut-être diminuer le son quand même, pour pas que ce soit trop fort. Alors... Ouais, donc clairement, on a nouveau... Et je ne comprends pas ce problème. Hein. Et si par hasard j'ai eu les réponses dans ce... si j'ai eu des réponses dans les précédentes vidéos, je n'ai pas encore posté la deuxième vidéo alors que je fais la quatrième. Oui, je sais, c'est pas bien. Mais du coup, je n'ai peut-être pas vu vos commentaires. Donc voilà. En fait, je me suis dit, j'ai un peu regardé, et je me suis dit, il faudrait qu'on essaie en fait de faire le... Ici, le dépôt d'hélicoptère médical. Déjà, en fait, on n'a pas assez... Ah oui, non, c'est... Ok. Je me suis dit, ça peut être pas mal. On pourrait tester. Ça coûte... Allez, je propose qu'on essaie de... On va prendre un prêt, et on va tester avec ça. Hop, 60 000, normalement, on a assez... Voilà. On va tester, on va une fois voir comment est-ce que ça se passe. Ouais, on aurait dû faire ça en fait au lieu de ça peut-être. Je ne sais pas. Ouais, donc là... Bah, en fait, ouais, l'épidémie commence à passer, on dirait. Je vais aussi augmenter la vitesse. Plus d'énergie. Ah, on est en manque d'énergie. Du coup, ouais, ce serait pas mal d'en refaire, c'est vrai. Est-ce que je ferais ça ici? Je vais faire ça, mais ça ne fait que 8, hein, donc ça fait vraiment rien. Il nous faut 19 minutes pour pouvoir faire ça. Oh. Je vais refaire un prêt. Hop. Et on va faire encore une centrale à charbon. Voilà. Bon, bon, bon. Ok, donc là il y a nouveau, c'est abusé hein, cette épidémie, je comprends vraiment pas quoi. Route d'évacuation, voirie. Bonheur. Ouais. Est-ce qu'on sait pas voir genre à la santé? Disponibilité des soins, donc ça c'est vraiment un problème. Est-ce que nos hélicos ont l'air de bien fonctionner? Je crois que oui, parce qu'on les voit, un peu aller par-ci par-là. Mais regardez ici quoi, c'est abusé tous les malades qu'on a. Ouais, c'est vraiment dingue. Ça c'est le petit truc qui vraiment est embêtant. Pour nous, pour continuer, parce que j'arrive pas à monter plus haut. Donc, j'arrive à combien? 7500. Bon, ça a l'air de monter, hein, de nouveau, au fur et à mesure. Mais quand même, quoi. Un mort attend d'être transporté. Ok.
Alors. Hop. Oh là là, c'est vraiment dingue, quoi. Et c'est vraiment chiant parce que ça fait presque 3 épisodes maintenant qu'on fait ça, quoi. Il faudrait regarder. J'ai l'impression. Ah oui, j'allais dire que le trafic ça va, mais en fait ici on commence à avoir vraiment des problèmes. Et il serait peut-être temps de commencer à agrandir cette route-là en fait. N'y a pas de feu là en fait. Est-ce que ce serait pas mieux. Attendez, comment est-ce qu'on va faire ça? Ouais, j'ai pas énormément d'argent à investir, mais bon. On va faire une double voie. Espace déjà occupé. Ah, c'est la clinique. Je vais la déplacer momentanément ici. Histoire de pouvoir améliorer ça. Et en fait, il faudrait que ici ce soit une seule voie en fait, et plus deux. Alors j'ai 32 000. Bon allez, on va le faire. Et on va faire une grande route. Alors je me dis, est-ce qu'on ferait pas une route genre à sens unique? Haha, la grande question du jour. Non, je crois que je vais faire une seule voie. Par contre, je vais enlever tout ici. Alors. Bon, si je fais comme ça. Ah ouais, du coup, je peux pas améliorer là. Ouais, ok, bon, ben. Ça va faire mal, hein. Franchement. Mais bon. On en avait besoin enfin de refaire cette route-là. Alors on est bien à 90 degrés là. Ok, donc en fait, nos routes n'ont jamais été droites. Mais je vais les mettre droites, hein. Va faire mal. Voilà. Et maintenant, on va faire des doubles voies. Peut-être que si on fait déjà juste ça, ça pourrait peut-être déjà être pas mal. Ah merde! Hop, on va le transférer. Alors, où est-ce qu'il pourrait être intéressant qu'on le mette? Peut-être ici. Ouais. Voilà. Va commencer comme ça, on va voir ce que ça va donner. Alors. Oui, alors on va d'abord aussi refermer toutes les routes que j'ai cassées.
Hop. Parfait. Alors, ici, on met tout en bleu. Voilà. Et on va dire qu'à partir d'ici, on va mettre tout en jaune. Et là, comme ça. Ok, c'est pas super super joli pour le moment, mais voilà. Alors, lui, pas d'accès à la route. Maintenant, oui. Ok, voyons voir si ça va régler le problème. Peut-être qu'ici, on devra mettre une voie un peu comme ça. Hein. En fait, je me dis, autant le faire maintenant. Ça ne changera rien pour nous, et au moins, c'est intéressant. Hop là! Voilà, au moins, c'est un feu aussi, donc ça, c'est bien. Bon, j'ai l'impression que ça a l'air de mieux rouler maintenant. En espérant que les ambulances puissent mieux circuler. Bon, ça va, et en plus, j'ai pas dépensé trop trop d'argent, donc ça va. Ok, donc on va voir niveau santé. Habitants malades, ça augmente. Ah ouais. Faudrait qu'en fait je fasse un emprunt, mais je crois pas que je pourrais, non. Ouais, j'aurais dû en fait investir dans le grand hôpital. C'est combien celui-là? 10 000. Donc c'est-à-dire que si j'en fais un autre. Je vais le mettre. Parce que ça n'arrête pas d'augmenter, il faut. Ça doit devenir notre priorité hein, maintenant. Budget. On va augmenter le budget hein, à fond. C'est notre seul moyen de pouvoir peut-être réussir à régler ce gros problème. Catastrophe. Pollution, donc là on a toute la pollution, mais pollution de l'eau potable, hein. Ah ouais, quand même. Ah, ça vient de là alors, ces conneries. Voilà pourquoi, pourquoi. Ok, donc là, normalement, ça devrait plus. Et du coup, on va aussi arrêter là. Mais ça veut dire que j'aurais plus assez d'eau, je crois. Hein. Si? Ça a l'air d'aller pour le moment, on dirait. Mais je le sens mal. On est déjà bien descendu. Pas content du bruit. Ah. Alors, ici. Est-ce qu'il faut vraiment ici un. Est-ce qu'il faut vraiment un feu? Parce que ça va peut-être. Ah ouais, donc ici. Ici, je vais mettre la triple voie comme ça, pour que les ambulances et les bus puissent avancer sans souci. Bon, les bus les prennent même pas, mais bon. On va peut-être faire ce que j'avais fait au début. On va peut-être finalement quand même
Mettre une voix surélevée ici. Et peut-être que ça pourrait être intéressant. Et je savais quoi, je vais même l'agrandir. On va mettre pour le moment ça. Voilà, et voilà. Ok, problème d'eau. Hein. Ah oui, non. Problème d'électricité. Oh, électricité, on sait pas trop. Oh. Et électricité. Ah ouais. Là, on est vraiment trop bas. C'est dingue, quoi. Et c'est quand qu'on a les centrales solaires 22 000? Eh ben, on a le temps. Hein. Ah, yes. Oh, il y en a les dirigeables. Les métros, plein de nouvelles politiques, zone VIP. Tous les abris situés dans la zone couverte par cette politique sont réservés uniquement aux habitants qui résident dans cette zone. Ah. Paratonnerre. Ok. Ok, bon, on va quand même mettre notre petit truc ici. On a, yes, on a débloqué les zones d'incinération. Ok, ça aussi, ça va être un grand changement qu'on va faire. Mais d'abord, on va d'abord acheter... Ah merde, je sais plus c'est où exactement. C'est cette zone-là, ok. Acheter, voilà. Comme ça, on peut aller puiser là-dedans. Voilà, maintenant on prend l'électricité et on va en mode YOLO jusque là. Combien d'argent on a? On va faire des cuves, histoire de d'être sûr. Hop là. Comme ça, on a nos cuves. Ok, bon. Je suis content. Niveau santé, ça remonte, c'est cool, ça remonte. Sauna, pas besoin pour le moment. On peut pas encore faire crématorium. Le cimetière, ok. Ok, bon, ben on va s'occuper alors de ceci. Alors, je ne sais plus pourquoi est-ce que j'avais cela. Au lieu de celui-là. Bon, ben on va prendre celui-là. Alors, on va la mettre dans la zone industrielle, hein, évidemment. Voilà. 30 000 quand même. Hein. Ça fait mal. Ok, alors il y a une explosion de demande d'habitation. Donc, on va sûrement la mettre dans cette zone ici. Je vais agrandir en fait la zone qu'on a là. Alors je vais mettre sur pause, histoire que je puisse quand même... Ah oui, mais c'est vrai, on n'a plus besoin en fait. Ok. Parfait. Alors, on va aussi recommencer là. Est-ce que je sais... Bon, je ne sais pas, évidemment. Ah ah! On n'a pas assez d'argent.
Ça coûtait combien ça? 4 000, ok. Et de faire avec une voix simple comme ici, ça coûte 3 000, du coup on doit faire la moitié, hein. Du coup, voilà. Alors, on va peut-être commencer par faire ici. Bon, ça va, hein, ça augmente assez vite, donc c'est cool. Nouvelle zone disponible. Ah ouais, on peut faire cela. Oh, oh génial, on va faire des routes juste avec ça. Alors, niveau taille, je me demande si. Est-ce que c'est. Ouais, je devrais quand même faire un truc au milieu. Genre comme ça, ouais. Ok, alors on va faire maintenant les routes. Voilà, hop, hop, et hop. On va mettre l'eau. Ah, on a aussi tout ce qui est chaufferie et tout. On verra bien comment ça se passe. Voilà. Ok, développer la ville. Oui. Tellement pressé que je fasse grandir la ville. Bon. Waouh, ça augmente tellement vite. Bon, par contre, c'est sur une colline, donc c'est assez embêtant. Alors, plus assez d'électricité à nouveau. Eh ben. Centrale au fioul. Exploiter le fioul naturel et utiliser pour alimenter votre ville. D'accord, mais. Moi, j'ai peur que le fioul soit quelque chose qu'on ait besoin de faire nous-mêmes. Et lui, il fait 40 watts. Ici, il crée 20. Bon, allez, on va en créer, on va voir ce que ça donne. Alors, maintenant, on a cette zone-là. Parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer comme je voulais là tout à l'heure. Hop. Alors, je comprends juste pas pourquoi. Ok, c'est une école ou un truc du genre, quoi. Ah, c'est un hôpital. Ok, parfait. Maintenant, je vais. Ouais, du coup, attendez. Ils sont tous. Ouais, ils seront pas reliés alors. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Parfait. Ok, alors la centrale au fioul, je vais la mettre ici pour une fois. Dès qu'on devra en refaire une en fait. alors, on va prendre les routes, on les met ici. Et maintenant les petites routes. Allez, allez. Voilà. Donc maintenant, on va mettre peut-être tout ici un gros quartier commercial. Alors, je me doutais, j'étais pas sûr. Mais voilà. Alors, on en est là. Ben, ça augmente bien, plus 4 000, alors qu'on est
On devrait une fois analyser tout ce qui est tout ce qui est bus, etc. Ah, on a un bus qui passe quand même ici. S'arrête là. Mais comme on a les métros maintenant, on a les trams, les métros. Ah, les avions. Ah oui, non, on n'a pas les avions, on a les dirigeables. Je serais chaud de faire un petit truc de dirigeable, mais je sais pas si ce sera vraiment utile, quoi. Le métro, c'est pas mal aussi, quand même, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? Ça fait 25 minutes. Est-ce qu'en 5 minutes, on va réussir à faire un petit truc du genre? Ça coûte combien ici cette station? 15 000. Celle-là, ouais, elle est belle quand même, hein. 30 000 pour cette station. Elle prend de la place, c'est vrai. Mais celle-là est toute petite. Celle-là également. Celle-là est vraiment belle, quoi. Alors, attendez, hein. On a ici une zone. Ben, je vais mettre ici. Hop. Ok, je vais juste régler le problème des eaux usées. Ouais, en fait, je mets ça là, mais c'est mieux que je mette ça ici, en fait. Ah, j'ai plus l'habitude qu'on... Enfin, j'oublie tout le temps qu'on peut changer de... Juste les déplacer, en fait. Voilà. Est-ce que c'est assez ou pas? Est-ce que j'en mettrai un deuxième? Oula. Ça déborde. Oula. Faudrait faire gaffe à ça quand même, hein. Nouveau bâtiment des pompiers. Alors, ah ouais, on a 30 000. Bon, bah ok. C'est dingue, on a plus 8 000, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que... Comment ça se fait que c'est autant? Comment ça se fait? Enfin, c'est génial, hein. Mais c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Son... Ah, hôpital. Ouais, niveau soin, nouveau bon maintenant, hein. Ok, bon, ben métro, on en a un là, on va en mettre un ici. On va gérer l'électricité de nouveau. Hop, est-ce que je testerai celui-là? C'est 50 000. Non, on a besoin de ces 50 000. Et il crée 120 et lui, il crée 40. Oh, on vient de passer, on est passé deux niveaux dans ce vidéo. Et on a les monorails. Oh, et les téléphériques. Oh là là là! Et les trains! Ouh, ça a l'air sympathique tout ça. Ça a l'air vraiment sympathique. Il va falloir vraiment. On va regarder ce qu'on va faire. Bon, je sais quand je vais tester le truc du fuel là. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça produit ou pas? Ok, bon, ben, en fait on a presque tout débloqué. Hein. Non, pas pour le port. Par contre, les trains, c'est bien, sauf qu'ils sont... ah ouais, on voit pas. Je crois qu'ils sont là quelque part. Ouais, ils sont là-bas. Donc ça nous fera un et j'espère deux, quoi. Ouais, normalement deux, ça devrait aller. Mais du coup, c'est pas encore pour maintenant, quoi. Ça, c'est assez embêtant qu'on n'ait pas de route externe. Bon. Du coup, ça déborde bien ici. Mais vous savez quoi, de toute façon, je crois que le métro, ou les monorails, ou les dirigeables, on les fera la prochaine fois.
On va peut-être juste maintenant mettre encore d'autres incinérateurs que je vais mettre ici. Ah ouais, je suis con, j'ai pas mis ça ici. Je l'ai pas connecté. Voilà. Incinérateur, on va en mettre assez pour que l'incinération puisse être autonome. Sauf si j'ai pas assez d'argent. Parce qu'il me faut 30 000. Ok, donc j'aurai pas assez. Par contre, je crois qu'avec celui-là, regardez, il n'est pas encore opérationnel, mais il va bientôt l'être. Et normalement, ça devrait augmenter, non? Dis bien normalement. Ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Ah, voilà, il fonctionne. Et ok, ça n'a rien changé. C'est pas grave. Bon, ben voilà. Prochain épisode, on va encore agrandir notre population. Je suis content qu'on ait réglé enfin ce souci de maladie, hein, parce que ça devenait vraiment très énervant, hein. Donc voilà, il va quand même falloir faire gaffe ici au débordement. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va régler ça, mais on va le régler, ça va aller. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!